Les Français parlent au français. Le fil rouge. Invité fil rouge de ce vendredi, déjà cinquième invité. Très heureux de t'accueillir, Nathalie. Tu es quand même à l'origine de cette aventure stéréochique. Alors, n'exagérons pas, à l'origine c'est toi, ouais. Mais j'ai participé au début avec toi. Moi et Alex, qui sera mon invité la semaine prochaine, voilà, qui sera à ta place. Aujourd'hui, on échange un peu. Alors, c'est vrai que à l'origine, je t'ai contacté parce que sur ton Facebook, exactement, tu chroniquais des morceaux que tu kiffais et que voilà, tu partageais une émotion musicale. Exactement, mon Facebook ne me servait vraiment qu'à ça, c'est-à-dire tous les jours, je partageais un ou deux morceaux avec des explications, pourquoi ce morceau, pourquoi cet artiste, et toujours issu, à l'époque j'étais en thèse, en doctorat, et j'avais, faut pas le dire, mais beaucoup de temps libre du coup. Et du coup, je passais ma vie sur les blogs de musique indépendante. Et mon objectif, c'était sortir du marasme musical français des radios généralistes qui nous passaient que de la daube du moment et de montrer qu'il y avait des tas d'artistes de niche tout petits, pas connus, et qui faisaient des merveilles musicales. Et si j'arrivais à faire plaisir, ne serait-ce qu'à une seule personne par jour, pour moi, j'avais tout gagné. Ça te faisait plaisir à toi aussi. Alors, est né 5 minutes pour moi toute seule. Petite origine sur le nom de la chronique, oui, s'il te plaît. Oui, à l'époque, il y a plus de 12 ans, 13 ans maintenant, il y avait un morceau d'Elena Noguera, qui est la sœur de Lio, qui a fait un album qui s'appelait 5 minutes pour moi toute seule, où elle racontait que son mec était jamais là, toujours en retard, et que donc elle allait pas se laisser abattre, elle allait se mettre dans un bain, et elle allait se prendre 5 minutes pour elle toute seule, mais 5 minutes avec un petit canard vibrant. Ouais. Enfin, c'était ça l'idée. C'est pour ça que c'est le petit canard, et toujours le logo de ta rubrique. Et pourquoi j'ai voulu choisir ça? D'abord parce que 5 minutes, ça parlait bien des chroniques, mais c'est surtout que je me faisais plaisir à moi. Je vais vous parler de quelque chose que j'aimais et que j'adorais, mais en général, quand on est heureux, on le transmet aux autres. Tu es comme un chat, tu as connu plusieurs vies, on s'est aussi connus. Toi, t'étais barman dans un bar et barmaid. Moi, je faisais... Barmaid, excuse-moi. Et moi, j'étais DJ et on faisait les cons avant que les clients arrivent dans la discothèque. Alors ouais, c'était une boîte de nuit au centre-ville de Lille, dans le vieux Lille même, où on arrivait toujours une heure avant, toi pour préparer quel était son, moi pour préparer mon bar. Et plus on avançait dans le temps et plus on était prêt rapidement, en fait, on avait un quart d'heure de boulot et trois quarts d'heure de conneries. Donc on faisait les débiles dans la boîte. Est née une amitié entre toi et moi. Je me souviens de bouteilles de rosé à mes ailes. De Cubi, tu veux dire. Et puis ta vie a évolué. Un mari, des enfants, un chien, un chat, pas de scénique, mais une vie un peu plus posée. Quand tu m'as connue, j'étais une très très grande sorteuse. Aujourd'hui, je sors évidemment un peu moins. Tout est fermé. J'allais dire en dehors du Covid, mais aussi enfants, âge prenant, âge aidant, fermeture des Mega Dancing Belges et tout ça. Mais je suis restée une grande fêtarde dans ma tête quand même. Hein. Musique à fond à la maison, mes enfants qui et ont. Les enfants, ils dansent avec toi. Alors, aussi, les enfants, tous les soirs, ils demandent à mettre de la musique et on fait de la danse. Hyper important. Mes enfants apprennent à mixer aussi à 3 et 6 ans. Génial. Donc on a mis les platines dans le salon et pour le moment, ils apprennent les boutons, puis après on verra sur les vinyles, parce que j'ai un petit peu peur pour mes vinyles, mais famille musicale. Et dans ta vie professionnelle, qu'est-ce que tu fais de beau? Ah là là, grand changement depuis très peu de temps, grosse passion. J'ai intégré un nouveau milieu professionnel, je m'occupe de personnes qui sont en souffrance psychique. Et je suis en train d'ouvrir un lieu à Lille qui ouvrira d'ici la fin de l'année pour accueillir des personnes après leur séjour en hospitalisation, une fois qu'ils sont médicalement stabilisés, pour leur permettre de reprendre un pied dans la vie active et insérer socialement, parce que c'est des parcours qui brisent les vies. Et donc nous, c'est une association qui s'appelle Clubhouse, et on accueille les gens et on les aide à se sentir mieux et à se rétablir pour, pourquoi pas, si tout va bien, retrouver un emploi un jour. C'est peut-être pour ça que tu t'entends si bien avec moi alors. Ah oui, mais moi j'ai beaucoup de travail avec toi, Gauthier. On va revenir sur la première chronique qu'on va écouter, la toute première chronique. Quand tu t'es dit, allez hop, je vais faire de la radio, pourquoi pas, c'était quoi tes appréhensions, tes peurs et ton excitation? Mon excitation, c'était de partager au public. Moi, j'ai été prof dans une ancienne vie aussi, donc j'adorais parler. Mais je voulais partager à un plus grand nombre cette passion de la musique et des morceaux, et plus seulement sur Facebook. J'ai eu très très peur, parce que parler dans un micro, et surtout au début, j'écrivais beaucoup mes textes, j'avais peur de réciter. D'ailleurs, je récitais pas mal, mais j'avais peur de pas être à la hauteur, parce que parler dans un micro, c'est pas du tout la même chose que parler à quelqu'un. Et voilà. Bon, on va voir si c'était bien. La toute première, il y a plus de 12 ans. La toute première, il y a plus de 12 ans. C'était pour Empire of the Sun. C'est un morceau que t'aimes toujours et qui on. J'adore, j'ai une tendresse particulière pour ce morceau, du coup. On écoute et juste après, tu vas nous chroniquer ton dernier coup de cœur musical. Voilà.